domenica e lunedì vinceremo perché non siamo coglioni. Personnes ont été arrêtées ce matin, 10 sont toujours en garde à vue, elles sont toutes issues, je vous le disais, des milieux d'ultra-gauche, aucun des suspects n'appartient à la société. La cellule invisible, et qui avait pour objet la lutte armée, qui ont commis un certain nombre d'actions en France et à l'étranger, qui se caractérisent toutes par la violence, terrorisme, la violence, terrorisme. Il y a une opération volontaire qui vise à qualifier de terrorisme des actes qui n'en sont pas. La disproportion entre ce qu'on a raconté et ce qu'on a fait croire pendant quelques jours et les faits réels est évidente. Je tiens à dire que ça, c'est l'écume de quelque chose. Que la bière que tu vas boire au café, c'est pas politique. Chaque fois que tu bois de la Henken, par exemple, qu'est-ce que tu crois que tu fais à part prendre un peu de bide? Tu donnes un peu plus de force de pouvoir à Henken. Résultat, Henken la hollandaise va racheter Fischer la française.
Résultat, Henkel va fermer des sites de production en France, question de rentabilité. Résultat, un peu plus de chômeurs chez nous. Tu vois? Si t'avais bu de l'afficheur à la place de la Henkel, t'inversais le processus. Je me colle à Cronenbourg, moi. Contre à 100% parce que je trouve ça complètement contre nature et c'est pas correct, c'est pas propre. Voilà. Et pourquoi ? C'est interdit dans toute religion et c'est pas dans la logique des choses. Je pense que l'homosexualité, on peut même pas considérer ça comme un autre point de vue, mais je dis simplement c'est un dérapage de l'être humain.
fracture sociale, c'est ça. Les loups-là, ils sont dehors, ils astiquent les carrosseries. Pendant ce temps-là, les patrons, ils sont à l'intérieur, ils sont astiqués le manche. On ne sortira jamais. Vous n'avez plus votre marocaine, là ? Ah non, ça fait longtemps. Non, maintenant, j'ai une petite philippine. Ah oui ? Elle est bien ? Oh, formidable. Les asiatiques, c'est vraiment ce qu'elle est. Sérieuse, propre, discrète, travailleuse. Non, parce que les portugaises, elles sont très propres. Les voleuses. Les maghrébines, elles sont très bien avec les enfants, mais alors, le ménage est une véritable catastrophe. Quant aux noirs, elles sont toujours fatiguées. Oh non, vraiment, les asiatiques, elles sont comme ça.